sang population dans le département la Tibonite continue à couler. Vendredi 28 juillet, bandi bas grand griffe Savien fait un autre massacre dans la localité Miro 3e section communale Tirivière la Tibonite. Bilan 4 membres de la population a mouri, 6 caïboulé, plusieurs business pillé. 7e promotion l'école magistrature 2020-2023 qui gagne la dans le 56 magistrats parmi 12 femmes sorti dans cadre d'une cérémonie qui déroulait vendredi 28 juillet en présence ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert, doyen tribunal premier instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, directrice étude dans l'école magistrat juge Maggie Florestal qui t'a expliqué par coup promotion ça éviter nouveaux magistrats yo mettez en valeur tout ça ou apprendre pendant période formation. Mesdames, mademoiselles et messieurs, divers bandits fait voile pour payer son chapeau. Messieurs Sayo qui trouvait dans base 5 secondes. Allez chez vous, Foucault, pral barou détail. Bandi bas grand griffe ça vient. Yo fait un autre massacre dans localité Miro 3e section communale Tirivière la Tibonite vendredi 28 juillet 2023. Bilan 4 moun dans population a mouri, 6 caïboulé, plusieurs business pillé. Habitants yo relé en moi pote yo secou. Désir Venesse depuis Tirivière la Tibonite a dit nous plus sous dossier sila. Vendredi 28 juillet 2023, bandi bas gangriffe ça vient yo continuer à massacrer population dans département la Tibonite particulièrement dans 3e section Tirivière la Tibonite dans localité Miro pour pipiti 3 moun perdi la vie yo ak 6 kay passé en bas flamme dife sans compter kay ak business bandi yo pillé. Situation ça la gè gros panique nan mitan communauté rivale Tibonicienne nan ak communauté vericienne nan. Ensemble habitants qui vivent dans zone nan continuer à lever voix au bien gros pour mande autorité yo pour vinn pote au secours et n'a rappelé gen plusieurs autres communes côté bandi yo a fait la loi et en pile dans population sa yo a courir pour chercher refuge tant que population li en Koutoise là qui subit des massacres youn dimanche 23 ak youn 14 juillet passé a ça la cause en pile dans moun sa yo courir à prendre refuge dans ville Saint-Marc ak dans commune Verrette en pile là c'est sous place publique qui a dormi ensemble des moun sa yo par contre a qui 5 yo doit adresser pour mande autorité yo on fois pour retirer coton dans oreilles pour qu'attendre crio pour ces situations de jour en jour abvin plus difficile. Moi c'est Désir Venesse Tirivière la Tibonite c'était Crète à Pierrot pour ta 509. Aïe à la traque pour moun la Tibonite. Merci Venesse. Voici ce bien-aimé une cérémonie organisée vendredi 28 juillet 2023 dans cour cassation pour remettre commission bail 56 élèves magistrats 9e promotion l'école magistrature 2020-2023 parmi eux 12 femmes en présence ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert, doyen tribunal premier instance Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, directrice étude dans l'école magistratia, juge Maggie Florestal, qui t'a expliqué par coup promotion, souhaité nouveau magistrat yo succès dans cadre travail yo, pendant yo mette en valeur tout ça yo apprendre pendant période formation. Entendez Maggie Florestal qui te parle dans micro tax 509. Suite à un avis de recrutement d'une nouvelle promotion d'élèves magistrats lancé par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique en 2018, le processus est enclenché à travers les 5 juridictions d'appel du pays. Environ 250 inscrits. Après avoir réussi le concours comportant 3 grandes phases, l'admissibilité, l'admission et le grand oral, 56 magistrats, dont 12 femmes, ont été accueillis à l'EMA le 13 novembre 2020, ayant une moyenne d'âge de 30 ans. En ce 13 novembre 2020, chers magistrats, je vous souhaitais la bienvenue à la salle Roque-Cadet. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter de votre intégration officielle de la magistrature haïtienne. Mesdames et messieurs, la formation dispensée à l'école de la magistrature donne le primat à l'efficacité en mettant en place une technique pédagogique propre à produire des magistrats aptes à relever les nouveaux défis qu'impose la réforme judiciaire en Haïti. Étant une école d'application,
Elle doit, en 16 mois, transformer l'étudiant en magistrat capable de qualifier juridiquement une situation de fait, d'élaborer une décision de justice, clairement motivée et conforme à la règle de droit applicable, de mener des entretiens judiciaires, de diriger des enquêtes, de faire des réquisitions et de présider des audiences. Des compétences techniques qui demandent beaucoup de travail. Ces élèves magistrats ont suivi en alternance une période de formation théorique qui se déroule dans les locaux de l'EMA, une période de stage qui se déroule dans les juridictions et dans les services liés au secteur judiciaire, je veux parler des prisons, des commissariats, etc. Et à la fin, les élèves magistrats reviennent à l'école pour les échanges d'expérience et se soumettre aux évaluations finales, écrites et orales. À l'issue de la scolarité à l'EMA, les élèves magistrats sont déclarés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires. Aujourd'hui, ils vont recevoir officiellement leur commission et sont habilités en conséquence à prêter le serment de magistrat. Chers anciens élèves magistrats, chers nouveaux magistrats, je vous invite à ne pas oublier les implications du serment que vous allez prêter. Il vous engage dans tous les actes de votre vie professionnelle, mais également personnelle. En choisissant d'être magistrat, vous devenez une personne publique. On vous regarde, on vous suit et à travers vous, on juge la justice du pays. C'est un métier qui vous conduira en permanence à décider, ce qui nécessite des qualités d'humanité, d'humilité et de courage. Un métier qui vous conduira à être le gardien des libertés individuelles, mais aussi le protecteur des plus fragiles et des plus vulnérables. Alors, gardez intact votre enthousiasme à servir cette justice qui constitue l'engagement de votre vie au service de nos concitoyens. Je vous renouvelle mes félicitations. Bonne chance à toutes et à tous. En tout cas, moi souhaite ce qu'on... 6 nouveaux magistrats, ça y est, honnête. Nous parlons dans le cas de faire couvrir ça, nous connaissons très bien. Directeur de l'école magistrat, si y a maître Michel Kessner Termessi, sous mon parle, salier courage ancien élève, ça y est, pendant passage dans Emma, qui montrait volonté yo pour assurer fonction magistrat maître Termessi, qui remercie gouvernement en place là pour confiance yo placé dans l'école magistrat, souhaite nouveau magistrat yo travail avec professionnalisme et puis dignité après dans appareil justice là. Entendez maître Kessner dans micro tak 509. C'est donc avec un plaisir et une fierté réelle que je viens d'assister à la prestation de serment, et comme vous autres d'ailleurs, du magistrat Kébo Zamor, nommé substitut du commissaire du gouvernement à la Cour de cassation. Quelqu'un dont je connais son attachement au droit. Ce plaisir et cette fierté sont aussi alimentés par la présence à la dite cour de 7 vaillants hommes et femmes, produits de l'école de la magistrature, qui s'étaient distingués par leur courage, leur adresse et leur intégrité dans la judicature. Mesdames, messieurs, cette cérémonie qui regroupe autant de personnalités est louable puisqu'elle est destinée à assurer la promotion de la fonction magistrat, à relever le prestige de ceux qui veulent s'engager dans le service public, en consacrant une partie de leur vie à rendre la justice à qui justice est due. Honorable président du CSPJ et vous les membres du CSPJ, en invitant l'école de la magistrature par mon organe à prendre la parole en présence de cette auguste assemblée de juristes, d'amis, de journalistes, de parents et d'amis, prouve l'importance que vous attachez à ce centre du savoir-faire et du savoir-être. Au nom de tous mes collaborateurs et en mon nom propre, je vous dis merci. Mes remerciements vont également au Premier ministre et au ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui ont permis aux magistrats de cette 7e promotion de combler leur longue attente 2020-2023. Je suis certain qu'ils se montreront à la hauteur de cette marque d'attention
dont ils font l'objet. Mesdames, Messieurs, aussi difficile que fut le contexte de cette année judiciaire, un travail plus ou moins satisfaisant a été accompli tant au niveau de l'administration centrale qu'en celui des juridictions. Au niveau de la Cour de cassation, dans le fonctionnement à plein rendement des deux sections de la Cour. L'installation le mardi 9 mars 2023 des 8 nouveaux juges nommés par le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, a permis à la Cour de cassation de fonctionner désormais à plein rendement. À compter du 13 mars 2023, les deux sections de la Cour ont commencé à évacuer des dossiers ordinaires et urgents, pour la plupart en état depuis plus de 5 ans. Pendant environ 4 mois, de mars à juillet 2023, grâce à la collaboration des autres acteurs du système, près de 150 arrêts en matière urgente et ordinaire ont été rendus par les deux sections de la Cour. À noter qu'en section réunie, 6 arrêts ont été également prononcés. Il y a la structuration de l'administration de la Cour. Installée à la Cour le 22 novembre 2022, suite à ma nomination par le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, je me suis mis immédiatement au travail avec le vice-président, le magistrat Barthelmy, le directeur administratif, M. Beauville, le commissaire et ses substituts, sans négliger les cadres et les autres membres du personnel administratif de soutien de la Cour. Le travail n'a pas été facile, cependant, grâce à la collaboration de tous et de chacun, beaucoup de défis ont été relevés. Et environ 3 mois après, la Cour a pu recommencer à fonctionner de façon normale et régulière. Autorisation et soutien financier au directeur administratif de la Cour à l'effet de participer à un séminaire de formation sur le management et la gestion financière devant se tenir cet été à Chicago, États-Unis d'Amérique. Il y a des projets en cours de réalisation à court et à moyen terme. Numéro 1, au rapatriement des dossiers de la Cour entreposés dans un conteneur au ministère de la Justice suite au séisme du 12 janvier 2010. En partie, ils sont à la Cour pour le moment. On les a rapatriés avec la collaboration de nos collaborateurs au niveau de la Cour de cassation. Numéro 2, projet en cours de réalisation, c'est le stockage de tous les arrêts de la Cour sur des supports informatiques à des fins de conservation et de consultation ultérieure. Numéro 3, audience spéciale de vacances. Conformément aux dispositions de l'article 64, deuxième alinéa du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, il sera tenu du 1er au 31 août par 2 compositions, 4 audiences spéciales de vacances, soit du 1er au 11 août 2023 pour la première composition et du 14 au 24 août pour la deuxième. Nota bene, les audiences se tiendront les mercredis 2 et 9 août pour la première composition et les mercredis 16 et 23 août pour la deuxième. Seules des affaires urgentes et exceptionnellement quelques dossiers de récusation y seront évacués. Au besoin, 2 dernières audiences pourront se tenir les 30 et 31 août pour des prononcés d'arrêt. Maintenant, du côté du CSPJ, qu'est-ce qui mérite d'être signalé? Numéro 1, la certification de magistrat en janvier et juin 2023. Outre les dossiers des élèves magistrats qui viennent de recevoir leur commission, environ 100 de dossiers de magistrats en fonction ont été traités par la commission technique de certification et acheminés au conseil pour les suites nécessaires. Il y a eu 59 magistrats certifiés contre 32 non certifiés. Les certifiés sont gardés dans le système et les non certifiés, tout bonnement, sont exclus, malheureusement. La loi est due, comme on dit, mais c'est la loi. Numéro 2 comme réalisation. Au niveau du CSPJ, c'est la structuration de l'administration centrale du CSPJ. Il y a lieu de rappeler que suite au décès du président René Sylvestre, l'administration du CSPJ a connu des hauts et des bas. Puis après mon installation, la structuration de cette entité, découpée en coordination, direction et services, était devenue l'une de mes priorités. Et les résultats, malgré l'insécurité récurrente qui sévit dans la zone, ne sont pas moins satisfaisants. Troisième réalisation au niveau du CSPJ, remise en état de fonctionnement du tribunal spécial du travail par la nomination en mars dernier d'une présidente AI, en l'occurrence la magistrate Blondine Télismoir. Nomination en février dernier d'un nouveau directeur, en l'occurrence Maître Octave Altès. Suite à cette nomination, de mars à juin, 2 tribunaux de première instance, Port-au-Prince et Croix-des-Bouquets, et 7 tribunaux de paix, Pétionville, Fond-des-Nègres, Petite-Rouge-de-Nippe, Petite-Rivière-de-Nippe, Saint-Marc, Mont-Rouy-en-Savoie, ont reçu des visites d'inspection. Des recommandations irrelatives ont été faites. De plus, 31 dossiers de plainte ont été traités. Cinquième réalisation, augmentation considérable du nombre des enquêteurs de la commission technique de certification du CSPJ, et ce, grâce à un support financier de la primature.
Cet ajustement permettra à la CTC d'accélérer le processus d'épuration de l'appareil judiciaire. Sixièmement, acquisition et affectation pour la première fois d'une chaloupe au tribunal de paix des îles Caïmites. En pile, irrégularité confirmée bon côté responsable éducation dans le département Nord-Ouest. Tant coup, problème pour livrer fiches, lettres pour surveillance. Yon paquet l'autre fiche entremêlée dans l'autre département. Malgré tout ça, ça pas empêché autorité yo dans système l'évasion Nord-Ouest la confirmer, yo a fait ça dépend de yo pour que examen capable dérouler. Jebson Petit a dit nous plus. En pile irrégularité confirmée bon côté responsable l'évasion yo dans département Nord-Ouest là. Côté jusqu'à présent pour qu'on ait bon genre disposition qui entreprend pour bon genre déroulement examen baccalauréat yo qui prévoit semaine ça. C'est environ 6608 candidats qui répartis dans 298 salles de classe qui gen pour loger dans 44 centres qui gen pour al sibi examen officiel yo d'après directeur départemental l'évasion Nord-Ouest là pour Professeur Max Eddy Augustin. Li continue pour faire connaître quant à filo traditionnel ou du moins recalé yo gen 616 candidats qui répartis dans 34 salles de classe qui gagne 900 d'examen qui pral sibi épreuve sila yo. Selon information que nous rejoignent, c'est journée jodi a qui c'est 28 juillet dans intervalle midi comme ça fichier ta semble arriver dans bureau éducation Nord-Ouest là. Jusqu'à présent, pas de personne surveillance qui ont lettre qui t'a dit yo prêt pour aller faire job là dans examen officiel yo. Yon l'autre côté, autorité éducative confirmé gen dal ak yon latrier fiche qui t'a semblé égaré et entremêlé dans l'autre département. Ça qui la cause gros problème au niveau déroulement examen officiel yo qui en pile élève fait connait yo été tande pour ouais qui ça directeur départemental éducation Nord-Ouest la fait pour faciliter bon gens déroulement examen si la yo. Jepson Petit, Port de Paix, TAC 509. Toujours dans ça qui est à ouais ensemble avec dossier éducation, vendredi 28 juillet 2023, à travers coup rattrapage, divers élèves qui pral sibi examen philo, pas mettre de l'eau dans bouche pour yo mandé ensemble avec secteur syndicat transport retourner sous décision yo prend côté yo annoncé 3 jours grève dans période yo pral sibi examen officiel yo. Pour plus de détails, mesdames, mademoiselles et messieurs, à nous écouter. Année a été pas malou et pour côté lycéen et lycéen tout, il était venu faire, il était venu chavir bah la carte venu faire il est pour les jours pas stable, pas trop stable. So bah le travail il vraiment dit mais avec aide et after school nous peut nous avoir ici. Malgré nous connaître grand pile et difficulté pendant l'année l'école là, manifestation, question bois calé, lycée, professeur avec travail, comment nous te gérer l'année? Vous connaissez, dès que vous dites lycée, vous parlez de ensemble monde qui prêt à sacrifier vie pour réussir. Parce que lycée vous pouvez en réussir. Votre lycée vous dit comme ça, si vous avez 0,1 monde qui est, si vous avez 0,1%, il faut que vous avez 0 quand même. But c'est pour ça que l'ICEO c'est travail. Même si on a fait manifestation, tout le qui est dans le pays en net en général, but nous toujours travail. Malgré nous connaissons le secteur syndical, il y a ces grèves pour lundi et mardi à mercredi qui là. Nous connaissons le secteur transport librement important pour nous. Surtout nous, avons si loin qui est un point à l'autre. Comment nous avons grève là? Est-ce que nous appuyons ou bien nous avons demandé pour lever le grève là pour nous proposer? Tout ça qui est important pour tout élève NSK qui va proposer à NIA, c'est lever le grève là. Parce que ce n'est pas bon. Imaginons, on élève l'organe qui a tombé dans le fond. Si on a grève, comment engager à vivre? Il y a vraiment difficile. Tout ça, nous avons demandé le secteur syndical, c'est pour lever la grève. C'est ça qui est important. Lever la grève, pendant nous avons proposé, pendant 4 jours, lever la grève. Après ça, on va faire. Je ne vais pas aller le prochain, mais je vais dire, lancer une grève dans la conjoncture. Que ce bout de la crème, il va y avoir un travail. Donc, ça me dit qu'à Babsi, et le secteur qui est dans ces grèves-là, même à poser cette question, est-ce que le même tour va réussir, nous, nous allons l'examen. Donc, les grèves-là, pour moi-même, sont un bagage qui va boycotter. Donc, le processus va encore le déroulement de l'examen.
Donc, pendant l'année académique 2022-2023, vous connaissez les enseignants du secteur public, et l'enseignant grève était passé deux mois du grève et de lycée au patrimoine pour vous faire du travail. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une année qui est totalement réussie, d'après moi. C'est une année qui est totalement réussie. Même si il est arrivé à l'économiser, mais il y a créé un pile lacunes dans la mesure où on va arriver à appréhender l'ensemble des éléments que tu as dû voir durant l'année académique, d'après moi. Alors, quel message vous avez pour le secteur qui a annoncé de venir? Donc, moi-même, le message que m'a voué pour le secteur qui a dit ce que là, pour moi-même, il n'est pas bon. Et ça capable de faire des examens. Et ça m'a demandé de reporter ce que là pour après examen. Et dans le moment examen, je ne vais pas jouer en faveur après non. J'ai délivré en novembre, fin décembre, moi-même, pour aller à l'école, même si elle est visée. Et puis, quand je connais des problèmes, pour les visées. Moi-même, je fais seulement 2 mois à l'école. Et puis, comme je parle pour les étudier, travailler, pas à l'école, chaque jour, comme ça, déjà, je fais seulement 2 mois à l'école. Donc, je ne peux pas quand même faire l'examen, parce que là où la façon comme ça, c'est quand même. Est-ce qu'on s'en prêt pour l'examen? Bon, même si le pas à 100%, même si c'est 100% que moi. Parallèlement à ça, il y a au niveau du secteur transport qui a annoncé grève. Là, ceci pour dire l'état de Saint-Gaza à 40%. Comment on comprend grève ça qui a fait la date que vous avez proposé? Grève n'a pas tant supposé le fait dans le jour que l'élève de Paul Bral proposé, parce que déjà la traumatisme pour l'élève, parce que dans la rue, on doit prendre des bras ou pas une machine, on vient en hauteur. Je vais te proposer sur la cour d'école, tout ça aussi, c'est un peu pour examiner, donc ça aussi, c'est un peu pour moi. Donc, qui sont capables de gérer avec les... C'est un syndicat qui lance ces grèves-là. Mais ça, je dirais que vous avez dit, c'est que vous avez remporté ces grèves-là pour après examen baccalauréat. Je sais que lundi, on a commencé pour vous aider, puis à bien grève, lundi, mardi, mercredi. Bon. Mais ça, je n'ai pas voulu le syndicat. Les grèves là pour nous, parce que comme le pays a eu, nous faisons une année qui n'est pas tellement normale. Pour nous, le moment où nous allons proposer, puis le moment où nous allons annoncer. Comment tu gères l'année l'école ça? Bon, nous avons besoin d'année l'école. Bon, pas presque besoin d'année l'école. Nous faisons 2 ou 3 mois à l'école. Bon, quand même, nous ne pouvons pas jouer assez pour nous, mais. Il était ici de travailler entre nous de façon pour nous capables à le composer. Parce que déjà nous étions vendredi et examen. Et lundi, ça veut dire que nous devons être pas qu'un temps, nous devons aller à l'école, même si on est à l'école là, qui est un petit côté par rapport avec nous-mêmes, qui c'est les lycées. Bon, comme ça c'est à cause de l'attrapage que nous participons. Comme ça c'est notre temps. Alors nous connaissons les gens pile jour pendant l'année, comment nous essayons de gérer ça? Bon, nous essayons ça et comme dit Katia. Individuellement, nous allons dans le cours de rattrapage, nous travaillons entre nous, parce qu'il n'y a pas vraiment de l'école pour les lycées, parce qu'il y a toujours des grèves, mais pas grèves sur l'autre bagaille. Mais nous avons géré ça beaucoup de parents parce que nous connaissons et nous-mêmes, nous essayons les lycées, c'est travailler individuellement avec quelques petits bagages de l'école là-bas, nous pour nous mettre ensemble pour nous faire. En tant qu'on a une grève qui est lancée pour l'industrie et pour l'industrie, c'est un examen, donc je ne comprends pas. Bon, grève là, pas mon bon départ, moi-même, je me dis, il est bon pour moi-même, mais pas bon pour moi en même temps. Parce que déjà, grève là, il est annoncé. Il est annoncé déjà, mais comme examen a fini, je pense que c'est à cause de, comme des gars, de la motivation que nous avons gagnée, nous avons faibli. Puis devant, parce que si l'examen, lundi, et puis tout le monde grève lundi, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a démoralisé nous, comme des gars de ça, démoralisé nous dans le sens. Parce que si nous sommes motivés pour l'examen lundi, et puis lundi, nous avons fait comme ça passer, c'est quand même un petit problème au niveau du cerveau. Donc, qui sont dit avec ces décalations qui ont lancé de ça? Bon, ça, ça me garde.
pour moi-même, je dis bon, on a une chance parce que lundi, bon examen, c'est un examen d'État. C'est l'avenir qui est en danger lundi là. Ça veut dire là, il y a bien trop de temps d'après moi-même pour te faire grève là. Mais vous suggérez que grève là, tu as de lever pour nous composer? Oui, monsieur. Merci.